Salut à vous tous, bienvenue sur CST Info 91, la chaîne consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, Voici One et notre quotidien. Voilà, nous repartons pour une deuxième vidéo sur demande de plusieurs amis qui sont intéressés par cet appareil, puisque vous êtes nombreux, je le sais, à avoir appelé déjà la société de Voici Web directement pour avoir vos renseignements sur ce produit qui vraiment commence à plaire vraiment un peu partout sur nos forums. On nous donne des échos, ça revient, donc on va en parler un peu à nouveau aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des choses à dire quand même dessus, hein, en étant honnête de tous les côtés. C'est un bon produit, il est très 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 bien, mais bon, certains se posent des questions, et puis bon, on va en parler après, mais pour le moment, je me permets de vous redonner, parce que on a reçu une lettre d'information pour tous ceux qui sont chez Voici Web, et puis bon, des gens comme moi, je l'avais demandé pour avoir la lettre d'information. J'ai reçu la lettre d'information que je vous ai déjà passée, et bien je vous la redonner maintenant à nouveau, ça va être lu par Jose, la synthèse vocale, et je vous reprends derrière, et on va parler vraiment de Voici One suite à ça, parce que je pense que c'est important de rappeler ce que fait l'appareil, et que cela vient directement de chez Voici Web, de façon qu'il n'y ait pas d'impair sur le produit. Donc, je vais donc lancer le texte. Voici One est l'appareil commando en un qui va révolutionner le quotidien des personnes déficientes visuelles au domicile ou en mobilité. Voici One propose dans un seul produit de nombreuses fonctionnalités et remplace tous les appareils dont il faut habituellement s'équiper loupe à main, machine à lire, lecteur d'aisies, détecteur de couleurs, lecteur d'étiquettes, smartphone, dictaphone. Son ergonomie a été conçue pour convenir aussi bien aux malvoyants qu'aux aveugles. Voici One se contrôle avec trois touches uniquement ou à la voix bouton commande vocale dédiée fonctionne sans internet. Voxy One a reçu le Silmo d'or dans la catégorie basse vision lors du dernier salon mondial de l'optique fin septembre. Ce trophée récompense les innovations techniques et optiques au service des déficients visuels. Un loop électronique avec OCR avec son écran AMOLED de 6,4 pouces, son zoom XUI optique et numérique et son autofocus ultra rapide. La loupe offre une qualité d'image claire et nette. Voxy One fonctionne aussi bien en vision de près que de loin. Voxy One propose de très nombreuses fonctionnalités plus l'aide de l'image, plus contraste, plus reconnaissance de texte OCR basé sur l'intelligence artificielle. Voxy One propose des résultats instantanés et de très haute qualité. Le capteur de basse luminosité permet une utilisation même dans un environnement peu lumineux. L'OCR est capable de détecter plus de 50 langues, plus traducteur, plus sauvegarde des données PDF, texte ou image. Deux applications lecteurs de code barre permettent de scanner les produits pour obtenir des informations détaillées, ingrédients, notices de médicaments, détection facile sans visée. Lecteur enregistreur d'étiquettes personnalisées permet d'identifier vos objets ou aliments grâce à des étiquettes sur lesquelles vous avez enregistré votre message vocal, résistante à l'eau et au froid 50 inclus. Détecteur de couleurs, lecteur multimédia, lecteur polyvalent, livres audio, musique, podcast, photo, vidéo, document Word, PDF, texte, fonctions avancées, sauvegarde, reprise, position, variation de la vitesse de lecture, plein écran, possibilité de brancher des périphériques USB, clé USB, disque dur, et de lire, transférer des fichiers vers ou depuis le Voxy One. Dictaphone d'appareil, photo, selfie, vidéo internet via Voxy Web, accès amplifié à de nombreux contenus internet parmi lesquels émail, radio, podcast, programme TV, YouTube, livre audio, météo, annuaire téléphone, dictionnaire, jeu et bien d'autres encore. Trois smartphones, téléphone, possibilité de lancer un appel à la voix, message, contact, outil, alarme, minuteur, note, lampe torche, reconnaissance de musique, 4 télégrandisseurs en option. Voxy One peut également se transformer en téléagrandisseur facilement transportable en renvoyant l'image vidéo de la loupe vers n'importe quel écran télévision, moniteur. Cet accessoire sera disponible en fin d'année. Offre spéciale de lancement. Voxy One est disponible au prix de lancement de 990€ TTC au lieu de 1249€ TTC, offre valable jusqu'au 31 octobre 2019. Les envois commenceront à partir de mi-novembre. Pour toute question ou commande, vous pouvez nous contacter au 02 85 52 41 88 ou par email contact voxyweb.com. Vidéo podcast de présentation en attendant la vidéo officielle. Retrouvez la présentation de Voxy One en audio et vidéo podcast et dans Cast Zomcast 16 HTTPS www et dans Cast FR Zomcast 16 Voxion Vidéo Vision iTech HTTPS YouTube. Bibersi DMIT 249 blog de Ceci Info 91. Voici à nouveau notre adresse HTTP Ceci Info 91. Canal blog, comme choisir la rubrique Voxy One où toutes mes vidéos seront mises à l'intérieur. Voilà, donc c'était important que je vous redonne ce texte officiel de chez Voxy Web, de façon que tout soit clair, qu'il n'y ait pas de confusion, parce que je commence à recevoir des messages en perso me demandant certaines choses, certains ont mal compris, veulent en savoir plus, mais on n'en sait pas plus finalement pour l'instant. Sauf pour les amis qui ont appelé directement Voxy Web parce qu'ils sont intéressés par le produit ou qu'ils l'ont acheté comme moi. Je rappelle que tous les textes qui sont lus actuellement sont lus par Jose 18, donc c'est par la synthèse vocale Jose 18,
et que j'ai baissé la vitesse à 15, parce que l'autre fois j'étais à 20 ou 21, je ne sais plus, on m'a dit que c'était encore trop vite. J'ai baissé à 15, donc je pense que là on va pas baisser plus à mon avis, hein, mais c'est mis à 15, donc j'espère que ça va vous convenir. Maintenant, je rappelle que ce texte, comme tous les autres textes aussi que je donne à lire par la synthèse vocale, sont mis automatiquement donc sur le blog de CC Info 91. Vous avez donc l'adresse là. Vous retrouvez donc cette adresse dans tous mes messages, dans la signature aussi. Il n'y a pas de souci pour cela. Si vous avez un problème, vous m'écrivez, parce qu'on a aussi l'adresse officielle de ces Gmail en tant que CC Info 91. Vous aurez toujours des réponses à mon sujet, il n'y a aucun souci pour cela. Être là pour vous tous, c'est nécessaire, je suis là, il n'y a pas de souci, vous pouvez compter sur moi. Voilà, c'est la première chose que je voulais dire, il est important de faire ça. Alors, maintenant, personnellement, parce qu'on me pose aussi la question, c'est la première réponse que je vais faire là-dessus. Comment j'ai connu le Voxy One? Ben, je l'ai connu simplement parce que notre ami Christophe de la chaîne Vision High Tech, qui est un ami personnel maintenant, a fait une vidéo avec Fabien. Fabien, je l'apprécie beaucoup, le Voxy One. Ils ont fait une vidéo qui était très bien, qui donnait vraiment le sujet de Voxy One, hein. C'est bien expliqué, il y a tout ce qu'il faut dedans pour essayer déjà de comprendre les choses. Ça m'a intéressé. Puis bon, je l'avoue, il y a eu un soir... avec Christophe, il a eu la gentillesse de me faire un test en direct par téléphone, hein, parce que je l'avais appelé aussi lui, je ne sais plus, mais on a fait ça par téléphone. J'ai pu tester le produit par téléphone, et vraiment, je le redis, ça m'a emballé, vraiment ça m'a emballé. Je précise quand même que j'ai l'iPhone HR actuellement, l'iPhone donc XR, pardon, je vous dis une bêtise, l'iPhone XR, que je possède des iPhones depuis des années maintenant, parce que ça remonte au iPhone 3GS, hein. Je me sers des applications dans tous les sens, j'arrive à me dépanner quand il faut faire la restauration, que ça remonte partout, donc je sais me servir d'un iPhone. Et quand j'ai vu donc ce Voxy One sortir, que Christophe en parlait, que ça fonctionnait d'après mes tests que j'ai pu faire avec lui, je me suis emballé, mais j'ai dit bon, ça c'est fait pour moi en supplément. Ça va bien me dépanner dans la vie de tous les jours, quand je suis tout seul, mais moi autrement, ça peut me dépanner par-ci, par-là. J'ai donc commandé ce Voxy One, vraiment, en y allant franchement, sans avoir peur de le faire. Voilà, parce que certains me disent, mais attends, t'as commandé un produit qu'on connaît pas, il est pas encore sorti, sortira vraiment, on pourra vraiment le voir officiellement que mi-novembre, si on le commande, ceci, cela. Oui. Mais il faut l'écouter, il faut voir comment ça tourne. Et ceux qui se sont déplacés au salon autonomique de Rennes, on peut le tester. Voilà. On me dit aussi, oui, mais il n'est pas encore en vente ailleurs. Si, il est en vente depuis le 8 octobre, hein, n'est-ce pas? Et je pense qu'il doit être en vente chez nos distributeurs agréés, que vous connaissez les adresses. Et là, sans faire de la pub, hein, c'est pas mon but du tout. J'ai vu sur le site de Cessia qu'ils avaient l'appareil directement. Donc vous pouvez certainement aller le voir à Cessia à Paris. Et puis pourquoi pas essayer de faire une petite démo, j'en sais rien, mais voir avec eux si vous êtes vraiment intéressé avant de vous jeter à l'eau. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je pense que vous allez trouver facilement pour le tester. Alors c'est vrai par contre, le problème c'est le prix. Hein, je suis honnête avec vous. 990€. C'est honnête, parce que on me dit que c'est cher. Non, c'est pas cher, faut quand même bien penser que là, vous avez un smartphone dessus. C'est un Xiaomi, si je prononce bien, de haut de gamme. Si c'est le bon modèle que je vous ai donné, le Pro, quand même, faut que je rappelle, c'est le dernier processeur qu'il y a dessus, quand même. Là, il y a 8 cœurs, il y a 6 Go de RAM dessus. Il y a quand même du monde dans le smartphone pour faire tourner votre Voxy One, quand même. Et rien que le téléphone, on va dire, grosso modo, il approche les 500€ à la base. Alors vous ajoutez à ça quand même toute la recherche sur Voxy One. Faut pas oublier qu'il y a un gros travail de recherche, de développement, de travail d'une équipe entière dessus avec les développeurs. Il y a quand même des frais, il y a quand même la société à faire vivre quand même. Et le vendre 990€, même si c'est cher, vous estimez que c'est cher. Mais personnellement, je trouve que c'est logique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je donne pas raison pour le prix, mais c'est normal qu'il coûte 990€. Voilà, point final, après on pense ce qu'on veut, mais ça me paraît logique. Par contre, c'est vrai que le vendre 1249€, je suis franc, je sais pas si c'est normal ou pas. Je discute pas de ça. Je sais que personnellement, je l'aurais pas acheté parce que j'aurais pas pu l'acheter à ce prix-là. Voilà, peut-être qu'il y a des personne comme vous qui pourront pas l'acheter, ce qui est regrettable par contre, parce que c'est un bon produit qui fonctionne,
qui va rendre des possibilités immenses et qui va nous apporter beaucoup de choses dans la vie de tous les jours, sur les derniers appareils quotidiens autour de nous. Et vu ce que j'en ai vu, je peux vous dire que ça fonctionne. Donc franchement, de ce côté-là, bah, essayez de voir d'une façon ou d'une autre. Moi, ce que je vous conseille, parce qu'on a commencé à me faire des reproches, j'ai eu un reproche sur le produit à la base. Donc moi, je le dis, avant de faire des reproches sur un forum, comme ça a été le cas quand même, hein, je pense sincèrement qu'il faut, un, appeler la société pour voir avec eux directement ce qui fait l'appareil, poser les questions qui vous choquent, vous gênent, ou que vous pensez que, bon, que ça va pas, qu'il faut revoir. Ça vous allez, bon, je pense que la société vous répondra franchement à ce sujet-là, hein. Et puis, avant de critiquer sur un forum, je l'ai déjà dit pour d'autres produits, mais je le redis pour cela, allez l'essayer avant quelque part. Bien sûr, après, s'il y a des problèmes, faut le dire, faut pas hésiter à en parler, parce que vu les prix que nous avons sur certains matériels, on peut pas tout acheter. Et c'est vrai que quand on achète un produit qui marche mal, ou qui marche pas, ou bon, j'aurais pas en citer certains, mais je sais qu'il y a des échos en ce moment, et bien il faut en parler pour éviter que d'autres personnes se fassent avoir sur le produit. Voilà. Mais si j'en ai parlé là, c'est simplement que pour moi, à mes yeux, et je le dis vraiment franchement, à 100%, pour moi, c'est un produit qui est très bon, qui marche bien, et qui a de l'avenir, parce que je suis sûr et certain qu'il y aura d'autres choses qui vont être remises dessus, d'une façon ou d'une autre, et que vraiment, ça va nous faciliter la vie tous les jours. Après, on pense ce qu'on veut sur les produits, on peut faire son choix, mais moi, personnellement, je l'ai acheté vraiment les yeux fermés, hein, et croyez-moi que quand j'achète quelque chose, maintenant, je réfléchis à deux fois, hein, je regarde avant, j'essaye, je me renseigne, et puis ça, après, je fais mon choix. Bon, voilà. Donc, ça a été fait pour cela. Ce que j'ai fait pour moi, personnellement, parce qu'on me pose la question, mais ça y est, nous, on va acheter, hein, dis-nous si ça y est bien et tout, qu'on puisse sacher et tout. Là, je dis franchement, les amis, franchement, comme je l'ai toujours dit, c'est Info 91, et moi-même, nous sommes pas là pour faire vendre du matériel aux non-voyants. Nous sommes pas payés du tout par les distributeurs, par les sociétés, par personne. Si on parle des produits, et je pense qu'il y a d'autres chaînes comme nous qui doivent penser à la même chose, notre but à nous, mon but à moi, c'est vous apporter des renseignements, vous dire ça que ça existe, ça on peut s'en servir, ça c'est bien pour nous. Par contre, c'est déjà arrivé que je le dise franchement que c'était de la merde. Ben là, c'est pas le cas. Voilà. Mais ce que je pense, moi, ce que je vous dis, vous, en information, parce que, notez bien, ceci, Info 91, c'est bien une chaîne d'information, à la base. C'est pas fait pour acheter, c'est pour informer. Et c'est à vous-même, après, en m'écoutant, Guy, s'il fait des vidéos là-dessus, ou Pascal, c'est à vous, après, de vous renseigner ailleurs, d'aller écouter d'autres vidéos ou d'autres podcasts ailleurs, parce qu'on n'est pas tout seul, et c'est très bien qu'il y ait vraiment plusieurs personnes qui fassent ces vidéos ou ces podcasts, parce que pour nous, entre nous, ce n'est pas de la concurrence, mais des aides. Et il faut savoir que d'une personne à l'autre, d'une chaîne à l'autre, d'un podcast à une vidéo, on a chacun notre façon d'expliquer les choses. Hein, et parfois, deux vidéos différentes sur le même sujet, ça peut vous apporter des renseignements complémentaires, ou vous pouvez mieux comprendre la personne pour X raison. Et ça, c'est important de vous renseigner avant, et pas vous jeter sur la première vidéo qui passe, et puis vous faire confiance à une personne comme moi, en disant, s'il fait, on peut acheter les yeux fermés. Non, surtout pas, je veux pas être responsable de votre achat si vous êtes après déçu du produit. Ça, c'était important. Et moi, je vous conseille vraiment donc d'aller l'essayer ailleurs, de le tester avant, d'en parler à d'autres qui sont prêts à le faire. Alors, c'est vrai que là, le problème pour avoir le prix 990€, il faut le commander avant le 31 octobre, et que malheureusement, on ne l'aura pas avant le mi-novembre, l'appareil, grosso modo en principe. Ça veut dire qu'il faudra qu'on attende pour vraiment vous donner d'autres renseignements complémentaires sur l'appareil, pour ne pas dire de bêtises. Parce que là, actuellement, je suis incapable de vous dire en complément ce qu'il fait de plus. Hein, faut être honnête quand même, on va pas parler dans le vide. Et puis bon, vous induire en erreur, c'est pas notre but, c'est pas mon but de toute façon. Donc je suis désolé, moi je ne peux pas vous en dire plus là-dessus. C'est pas que je ne veux pas vous répondre, mais je n'en sais rien actuellement. Voilà. Je ne sais ce qu'on m'a dit, ce que j'ai pu écouter. Et bon, voilà. Donc c'était à signaler. Et je dois dire que j'étais drôlement surpris quand même de lire sur un forum, parce que je parlais des codes barres.
que le World Series 1 faisait, hein, en expliquant, j'étais content et tout, il n'y avait pas de problème. Moi, j'étais stupéfait par la reconnaissance des codes-barres pour prendre les produits, quand même, ce qui est très pratique. Ça veut dire que l'appareil, on l'a dans sa poche, n'importe où, dans une pièce, à la maison, dehors, dans une boutique, on peut quand même prendre le code-barre du produit, hein, donc, ou d'autres choses. Bon. Moi, ça m'a emballé, et c'est pour ça que je le complète, que je prends mon Wesley One en plus. Puis bon, m'a eu un message, une réponse, où on m'a parlé, bon, pas, m'a démoli le produit, on va dire, grosso modo, quoi. Je ne peux pas insister là-dessus, mais bon, ça m'a gonflé de lire ça, parce qu'on se permet, sans avoir le produit en main, sans l'avoir testé, rien du tout, ben, de faire un message sur un forum pour casser un produit, ça mérite ce poil. Ça, je peux vous le dire franchement, ça mérite ce poil. J'en dirai pas plus, hein. Si la personne écoute la vidéo, ben, faut bien qu'elle comprenne que c'est pas bien ce qu'elle a fait quand même, parce que on casse pas un produit sans l'avoir eu entre les mains. Moi, c'est mon avis. Il faut le tester avant, se renseigner auprès d'autres personnes qui pourraient l'avoir ou l'avoir testé quand même. Je pense que du côté de Rennes, il y a eu des personnes de chez nous qui ont dû aller assister aux vidéos de Wesley One directement au test de chez eux, et je pense que sur les forums on doit pouvoir vous répondre si vraiment vous posez la question autrement, et vous aurez certainement une réponse de ce côté là moi ça m'a franchement ça m'a fait mal pour la société. Voilà, c'est ce que je voulais dire, je tenais à le faire. A suivi un autre message d'une autre personne qui s'y connaît par contre en code barre, qui bon n'a pas démoli le produit, absolument pas, hein, je vais pas dire le contraire, mais qui allait un peu dans le sens de la première personne, et ça franchement je trouve ça franchement nul. Voilà. Je ne veux pas dire autre chose. Ça m'a déçu. Voilà, ça m'a déçu. Donc personnellement, bah, bien sûr, cette liste où on parlait de Wesley One pour les codes barres, bah, je ne mettrai plus rien. Je répondrai même pas aux questions dessus. Comme ça ira beaucoup plus vite. Si les amis sont dessus et qu'ils veulent en savoir plus, bah, c'est CCINFO 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants, il est là pour ça. Et on mettra les vidéos qui correspondent avec beaucoup de plaisir, parce que on continuera à parler du produit qui va aller très 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 loin. Moi j'en suis persuadé. Et franchement, j'ai hâte de le recevoir, mon appareil. Alors, on me pose d'autres questions. Hein, excusez-moi, mais il fallait que je le dise quand même, parce que bon, il faut quand même qu'on sache que faut faire attention au forum quand même, parfois. Voilà. Alors, on me demandait, étant donné qu'on fait lecteur Daisy, l'appareil. On me demandait si vraiment on pouvait directement écouter à MP3 soit un livre audio, soit un texte en épure, enfin tout ce qu'on veut, les films en MP3, les mettre sur l'appareil, sur le Wesley One. Donc je rappelle que on peut me brancher dessus une clé USB et un disque dur, comme vous avez pu voir. Sur ce qu'ils expliquent vraiment à Wesley One, enfin Wesley One, pardon, excusez-moi. Il faut dire les choses comme ça, quand même, à la base, on va pouvoir, donc, du disque dur Wesley One aller chercher le fichier MP3, on va dire les choses comme ça, le fichier MP3, apparemment, on peut l'importer sur le Wesley One, et faire l'inverse aussi, le sortir de Wesley One pour le remettre sur le disque dur ou la clé USB. Alors ça, ça va être pratique. J'ai appelé donc la société directement, c'est avant-hier, je crois que je l'ai appelé directement. Ils m'ont confirmé le fait, donc je peux répondre tout de suite à la question. Par contre, il va falloir acheter un cordon en plus pour brancher entre le Wesley One et le PC. Donc il faudra l'acheter dans le commerce, hein, il n'y a pas le choix. Donc si je me trompe pas, m'a vérifié par d'autres personnes, hein, moi, je ne suis pas non plus technicien. C'est un cordon côté Wesley One. C'est une prise USB type C qu'il faudra comme cordon. Et l'autre côté, une prise classique USB mâle pour brancher sur votre PC, par exemple. Et là, vous pourrez faire directement des copier-coller de votre PC au Wesley One et inversement. Voilà, c'est ce que j'ai compris, qu'on m'a dit. Donc voilà, c'est fait. On a une réponse officielle de ce côté-là. On n'en parle plus. Voilà. Alors, autre question qu'on m'a demandé, si on pouvait changer les sonneries sur le Wesley One. Alors, actuellement, j'ai posé la question. Donc, pour le moment, on ne peut se servir que des sonneries du Wesley One, rien d'autre pour l'instant. Hein, bon, je rappelle que le produit sort depuis le 8 octobre, officiellement, que on va dire, c'est la première bouture du produit, et que bon, petit à petit, il va grandir, il y aura des choses dessus, et c'est prévu, j'ai la réponse officielle, qu'on pourra bientôt, après ça le débat quand, mais bientôt, mettre des sonneries faites en MP3,
les incorporer dans le Galaxy One pour vos téléphones. Voilà, ça c'est prévu chez eux, j'ai une réponse officielle. Moi j'étais intéressé, et j'ai eu aussi deux fois la question, savoir s'il y avait un agenda dessus. Donc je confirme, j'ai confirmation de Galaxy One, il y a bien un agenda de prévu dessus, qui est celui-là en principe de Google, c'est là pour changer, mais moi on m'a dit Google chez eux. Voilà, et on pourra mettre plusieurs rendez-vous d'avance dessus, il n'y a pas de problème. Donc pour les gens qui en ont besoin, c'est prévu. Ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur pour acheter l'appareil. Donc vous voyez qu'on a quand même des choses en plus. Et puis bon, il y aura d'autres facilités. Bon, vous avez pu voir avec quelques jeux. Il y a exactement ce qu'il y avait dans Galaxy Web comme application et aussi sur leur site, parce qu'on pouvait accéder par un site sur Galaxy Web. Et puis je peux vous dire que l'ensemble fonctionne, comme a bien fonctionné l'application et le site de Galaxy Web qui est toujours en place quand même. Que fonctionne très bien cette fameuse télécommande de télévision entièrement parlante, bon, donc je suis désolé, je me rappelle plus le nom, mais qui marche impeccablement, parce que j'ai jamais eu d'écho contraire à ce sujet-là. Donc le Galaxy One, ben il fera pareil, parce que de toute façon, il y a ici une équipe formidable qui travaille et qui n'arrête pas de travailler pour améliorer leurs produits. Hein, faut quand même le dire, et que vraiment s'il y a besoin, s'il y a un souci, il y a toujours quelqu'un à notre écoute qui comprend le problème et cherche la solution après. Voilà, hein, c'est quelque chose à dire. Hein, je critique nullement les autres endroits, les autres sociétés, hein, c'est pas mon but, mais là on est à l'écoute, ils travaillent parce que bien sûr leur but c'est de vendre, hein, c'est leur intérêt, mais au moins on est écouté et les produits s'améliorent vraiment. Ça c'est quelque chose de très très bien. Alors le restant, on m'a demandé s'il faisait internet. Alors bien sûr on entend par internet aller visiter des sites et trucs comme ça. Là actuellement je peux pas vous répondre, parce que moi il y a une personne qui m'a dit oui, mais pas de chez votre web, donc je ne sais pas. Et j'ai une autre personne qui m'a dit non, parce qu'elle a acheté aussi à votre web. Donc alors, je ne sais pas s'il fait actuellement internet, ou si ça va être fait, ou si c'est dessus. Je vais pas vous dire de bêtises, je n'en sais rien. Mais bon, c'est vrai qu'il faut bien comprendre que c'est le début de votre web et que vraiment il va s'améliorer. Donc il y a des choses qui vont venir. Je pense sincèrement que si vous avez un iPhone ou un appareil Android, que le Galaxy One est un appareil complémentaire bien utile dans la vie de tous les jours. Hein, vous allez pouvoir voir comment ça tourne vraiment, c'est utile, mais que malheureusement, pendant au moins un certain temps, vous aurez besoin d'un autre appareil, un autre smartphone que vous avez actuellement pour pouvoir vraiment travailler avec, pour faire ce que fait pas le Galaxy One. Ça revient au même pour ceux comme qui ont des PC sous Windows et qui achètent un Mac parce qu'ils ont envie de passer sur Mac. Et ben dans les premiers temps, vous avez intérêt à garder les deux machines en main de façon à pouvoir débuter à apprendre le Mac, hein, vous en servir le plus possible, le vite possible, mais bien connaître les commandes, à vous en servir et voir ce qu'il a dans le ventre, et tout à travailler en même temps sur le PC de façon à pas être perdu, à être largué vraiment sur internet, parce que ben, le Mac ça va être plus long à apprendre. Là c'est différent, hein, il n'y a pas tout encore sur le Galaxy One, ça vous oblige à avoir un autre smartphone entre les mains, je le dis franchement, le temps vraiment que tout se mette en place. Mais je le répète, c'est pas de la pub, c'est un excellent produit, un très bon produit qui marche très bien actuellement, très rapide. Et franchement, je le sais qu'il va grandir, qu'il y aura d'autres choses de mis dessus et qu'on ira très loin. Alors, on m'a dit, ça m'a fait doucement rigoler, je vous le dis franchement, que ben si je faisais ça, que j'en parlais tant du Galaxy One, ben que j'étais payé par Galaxy Web. Et ben non. Et puis de toute façon, on sait très bien que je travaille pas, moi, pour être payé, je travaille gratuitement pour vous. Pour les amis qui ont besoin d'informations, qui cherchent des solutions et qui ont besoin d'être aidés dans la vie de tous les jours. Et moi, mon plaisir, c'est de voir que vous devenez autonome comme tout le monde et que vous pouvez vous débrouiller, voilà, comme vous pouvez, mais vous débrouillez tout seul. Et ça, c'est le mieux. Et on sera toujours là pour ça, c'est Info 411. Alors, le restant, franchement, ça me fait rigoler. Voilà. Donc, c'est à dire tout ça. Mais le produit est très bon. Voilà. À vous de vous renseigner. Je le répète, je suis pas là pour faire de la pub du tout. C'est pas mon but. Voilà. Donc, si j'ai des renseignements concrets sur, je referai une autre vidéo. Vous pouvez compter sur moi. Hein, sinon, n'ayant pas l'appareil avant mi-novembre, je pourrais absolument rien dire dessus. Donc, je vous demanderai
de ne plus me poser de questions sur ce produit-là jusqu'à mi-novembre où je ferai vraiment mes vidéos que je vous mettrai en ligne comme d'habitude parce qu'il faut tout démontrer, voilà. Et puis bon, ben, j'espère que notre ami Christophe nous fera des vidéos dessus en attendant parce que je sais que lui, c'est un pro, il va vous faire ça la main comme ça tendue et tout ce qu'on veut. Hein, Christophe, je te mets au défi d'en faire, tout simplement. Non, je sais, tu vas les faire, donc on en a parlé tous les deux. Donc, ben, je vous laisse être Christophe, et puis moi, bon, si je peux vous répondre en perso, je vous répondrai sur le produit, mais je ne sais peu de choses, donc je ne voudrais pas vous induire en erreur, n'est-ce pas, et vous dire acheter ça ou pas acheter ça, j'en sais rien, donc c'est à chacun de faire comme il veut, comme il peut avec ses finances, et puis bien s'en enseigner ailleurs, voilà. Mais dites-vous bien que je n'ai pas acheté non plus comme ça, sur un coup de cœur, non, c'est parce que j'ai vu que ça serait valable pour moi dans la vie de tous les jours, voilà. Donc, merci à vous. Je vous souhaite une très très bonne journée, n'est-ce pas? Puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur autre chose. Voilà. Salut à vous tous!